Ohayo Mina, c'est jeudi d'un bonus. Oui, mais je suis fatiguée, ok? Il est tard. Voilà. Et j'ai des colis à ouvrir. Je suis même pas sûre que ce soit Dol. Mais j'avais envie de faire une vidéo, tant qu'à faire, dans la fatigue. Voilà. J'avais envie, il y a un problème. Et Colomb vient de tout faire tomber avec sa queue. Bref, alors, donc on va commencer par ça parce que je sais que c'est pas Dol. J'allais dire ce que c'était justement. Mais il y a quand même toute une part que je suis, donc incroyable, incroyable, vraiment incroyable. J'y crois pas. Genre, ce truc, c'est. Non, mais. Mon super GPS de ma moto a rendu l'âme. Déjà, ça m'a fait filer parce que j'ai failli perdre mon téléphone sur la route. Hein. Et. Oui, Nata. Baby chat. Et en fait, donc j'en ai commandé un, je l'ai reçu, ça correspondait pas à ma moto, donc du coup je l'ai renvoyé. C'est pénible parce que pendant ma pause, je perds ma pause pour aller renvoyer un colis, quoi. Sachant qu'entre-temps, je roulais en moto, j'avais besoin d'un GPS, quoi. C'était quand même galère. Donc voilà, donc j'en commande un, je le reçois, il a disparu. Alors je sais pas si c'est le TDAH ou si c'est. Il a disparu, genre. Je l'ai cherché partout. Et évidemment, j'en avais besoin. Donc j'étais en retard là où je devais partir parce que je le trouvais pas. Et tout. Bref, un mystère de ouf. Je ne sais pas où il a pu passer. C'est incroyable, je vous jure. Du coup, j'ai envoyé un message à Amazon pour dire que je n'avais pas reçu. Ils m'ont remboursé. Je l'ai recommandé. Non, mais je suis vraiment la pire. Hein. Je suis vraiment la pire. Hein. Sinon, alors si jamais ces colis ne sont pas Dol, ne vous inquiétez pas, Ce n'est pas Dol, mais je vous partagerai quand même des actus Dol. Pas qu'à faire. J'ai quelques bricoles à dire. Voilà, c'est un maillot de bain qui ne sera pas utilisé dans les jours qui viennent. Ou alors sous la pluie. Hop. Voilà. J'aime bien en fait ce système parce que ça donne l'impression que tu as des seins quand t'en as pas. En plus, le blanc, bah, ça grossit, donc ça grossit les seins. Et du coup, le bas qui est normalement en mode string. Voilà. Le devant, le derrière. Voilà, ça ne vous passionne pas, vous n'en avez rien à foutre. Hop, les emballages, on va les jeter. Et je vais vous montrer quand même ma petite actu Dol, du coup. Donc, j'avais commandé une wig pour Island Zaddy. J'avais commandé une wig pour Island Zaddy et je lui avais commandé des ponytails en même temps. C'est pas ouf, hein. Et en fait, la wig, en fait, j'ai vu seulement il y a quelques jours, alors que ça fait au moins 15 jours que je l'ai commandée, qu'en fait, non, ça fait plus de 15 jours d'ailleurs, qu'en fait, oh, mais je ne vais pas me coucher ce soir, il y a Bridgerton! Donc, j'ai commandé la wig et il y a 15 jours, 3 semaines, hein, et c'est seulement maintenant que j'ai vu qu'en fait la commande avait été annulée. Du coup, j'ai reçu les ponytails, mais pas la wig. Ça, c'est son ancienne wig, on va dire, que je mettrai en vente dès que j'aurai reçu la nouvelle. Donc, je les reçois et tout. Je me dis, bon, bah, en attendant, voilà, je les mets là. Je les trouve très mimes, d'ailleurs. Regardez-moi ce rebondi incroyable. Et la qualité est incroyable hein, pour du AliExpress. Elle est douce, elle est soyeuse. Et genre, vous voyez, j'ai beau faire ça, ça se replace parfaitement. Genre, incroyable. Donc, voilà. Et. Il avait une de deux qui était cassée, la pince à l'intérieur, vous savez, c'est une petite pince. Elle est tombée en miettes au moment où j'ai ouvert. Donc j'ai ouvert un litige, je n'ai pas regardé où ça en était. J'ai essayé de chercher une pince à moi pour mettre à la place, mais le problème c'est que moi, les pinces, je m'en sers toutes en fait. Donc j'en ai mis une autre dedans. Puis voilà, peut-être qu'un jour j'achèterai des pinces pour remplacer. Mais bon. Voilà, ma petite Island Zaddy pour la petite actu Dol tant qu'à faire. C'est tout. C'est la fin de la vidéo. Moi, je vais regarder Bridgerton. Merci d'avoir regardé la vidéo, même si c'était un déballage pas Dol au final. Mais avec une petite actu Dol. J'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, parler de ce qui se passe en ce moment. Ah bah tiens, tant qu'à faire, autant parler de ce qui se passe en ce moment. Les wigs de Ivar et Aliria sont enfin terminés par Sophie Molly. Du coup, elles devraient être postées jusqu'à dans 3 jours maximum. Donc j'ai très très hâte de les recevoir. Aliria, ce qui est bien, c'est qu'elle va être
globalement terminée, hein. J'ai rien de prévu pour elle, donc je vais pouvoir faire une séance photo d'elle et tout, ça va être ouf. Par contre, Ivar, il va avoir pas mal de tatouages, et il va aussi avoir des tatouages ici, parce que oui, la wig est que sur le dessus. Sur les côtés, il a un effet rasé, genre vraiment à blanc. Et du coup, il aura des tatouages ici. Je n'ai pas encore décidé par qui le faire. Donc du coup, bah forcément, ce ne sera pas fait tout de suite. Donc en attendant, ça va être moche. Il va falloir que je ponce son crâne là, parce que ici, il a la trace de la wig. Donc il va falloir poncer, au moins histoire que ce soit propre en attendant, si je veux le prendre en photo, en attendant qu'il ait des tatouages. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu. Allez. Bye. Je peux pas couper la vidéo et vous montrer là dans le même temps.